me trouve avec Maëlie qui, l'année dernière, a présenté un film. L'année dernière, j'ai présenté mon film qui était Hétéromophobie et cette année, et en même temps, j'étais bénévole. Et cette année, je voulais recommencer l'aventure en devenant bénévole parce que ça m'avait beaucoup plu l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu recherches dans ce bénévolat? Déjà, l'ambiance entre tous les bénévoles est géniale parce que on s'entraide, on arrive à se relayer, tout le monde se parle, même si on ne se connaît pas forcément, et c'est génial parce que on s'ouvre à d'autres personnes, puis ensuite on peut rencontrer d'autres personnes, que ce soit entre les bénévoles ou les participants au festival, et on peut même revoir des personnes qu'on connaît et qu'on n'a pas vues depuis longtemps, et j'aime bien juste l'ambiance, rien que ça me plaît beaucoup. Puis après, être bénévole pour un festival comme ça, de prévention, qui a un gros un impact maintenant, ça me plaît aussi. Donc voilà. Donc là, sur cette quatrième édition, sur quel poste tu vas être, de quoi tu vas t'occuper? Je vais principalement être dans la salle, à ce que j'ai vu, ou à distribuer les prospectus, ou à placer les gens. En tout cas, pour aujourd'hui, pour ce soir, je vais distribuer les prospectus, et demain, je serai principalement dans les salles, et après, j'aiderai d'autres gens s'il y a besoin, quand je serai dans mes pauses. Très bien. Et si tu avais une question à poser aux jeunes qui vont présenter un film, qu'est-ce que tu aimerais leur poser? Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur... leur expérience? En quoi leur sujet leur tient à cœur? En quoi, pourquoi ils ont pris ce message de prévention là, et pourquoi ça leur tient vraiment à cœur pour en faire un film dessus et le présenter à Festifrev? Très bien, et un dernier mot, qu'est-ce que tu aimerais dire aux organisateurs du festival? C'est un festival génial, mais maintenant c'est quelque chose d'important à faire pour moi parce que depuis que je suis rentrée au collège, ça a lieu depuis que je suis rentrée au collège. Donc du coup, j'en entends parler depuis la 6e, et à chaque fois ça prend un peu plus d'impact, et j'ai envie de les féliciter pour ça parce que ils ont réussi à faire quelque chose de grand pour La Rochelle en tout cas, et même à l'international, donc c'est génial et je suis hyper contente pour eux. C'est bien, et on va la laisser reprendre son poste. Bon courage. Merci. Et bon festival. Merci.